Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo pour la suite de mon let's play de Pokémon version GM épisode 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans l'épisode 1? J'ai choisi le nom de mon perso, j'étais un garçon. On a vu le rival, il s'appelle Romuald. Sans intérêt. Et on a fait notre premier combat pour le rival. Le rival, on l'a tué évidemment. On l'a séché, j'ai choisi Chiplouf au lieu de Wisticram ou Darko. Allez, c'est parti. Genre, je vais juste vous montrer quelque chose qui m'a troublé. C'est que il faut aller au Bourg-Palette. Bon, l'œuf, on va le prendre, vous inquiétez pas. Et on a pris un œuf. Ah, super, bon, là, il y a Rattata. Alors, c'est un dresseur, en fait. Non, je rigole, c'est un Rattata. On va enlever cette merde. Voilà. On va faire écume. Et donc mon Chiplouf, je l'ai nommé Pingouin Holo. Je trouvais pas le nom, donc je voulais pas choisir Chiplouf. Donc je vais juste vous montrer quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. C'est au Bourg-Palette. Alors c'est où? C'est ici. Regardez. Alors on dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien ici. Et si, il y a quelque chose. Un super bonbon. Alors, voilà, c'est au Bourg-Palette que je vais vous montrer. Il faut parler au scientifique de droite. Penses-tu qu'un Pokémon KO doit être définitivement perdu par son dresseur? Non. Et quel niveau de difficulté? En gros, on peut choisir sa difficulté. Par exemple, si on a choisi le mode difficile, on peut recommencer en mode facile, normal, au lieu de supprimer sa partie bêtement. Ou alors, on a fait un Nuzlocke Challenge. Et t'as pas envie de recommencer tout, donc voilà. Donc moi je reste en difficile. Voilà. Bon voilà, c'était juste pour vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, ici. Ah, je vais pas réussir à rentrer dans la maison. Hein. Alors regardez ici. C'est encore une référence au jeu Nintendo. Ça alors! Il joue à Super Mario World! Et là, il y a différents jeux de Super Nintendo, donc The Legend of Zelda, A Link to the Past et Super Mario. Là on voit pas trop, je crois que ça doit être carte, Mario Kart, pourquoi pas. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu. Ouais, j'arrive pas là, donc voilà. Donc on va continuer ce let's play, épisode 2. Ces musiques sont vraiment magnifiques, franchement. Téléchargez-le, je l'ai mis dans la description et aussi sur mon profil de YouTube. Ah, Roku, c'est bon. J'espère que vous entendez pas trop le son du jeu. 17 points d'expérience, c'est pas énorme. Bon. Ah oui. Dans ce jeu Pokémon, vous. Au lieu d'aller au niveau 100, c'est le niveau maximum sur la version officielle, dans ce Pokémon Gym, on peut être jusqu'au niveau 255. Ce qui est énorme. C'est vraiment du challenge pur. Et franchement, j'adore. On va le tuer. Hein. Voilà. Bien fait pour toi. Un ratata. Aussi, je voulais vous dire, concernant une nouveauté dans Pokémon Gem, on peut voir des Pokémon fixes, non légendaires, et on peut les capturer. Ça peut être des Pokémon qu'il n'y a pas dans le Pokédex, tout simplement. Et donc, on peut les capturer, des fois, on peut en voir un. Ils sont incapturables dans le jeu, sauf sur ces Pokémon fixes-là. Bon, là, c'est qui, lui, c'est un dresseur. Que dirais-tu d'un petit entraînement parfait? Le gamin Eric veut se battre, si tu veux. Trop cool! Allez, c'est parti! Ouais, mais ça me fait rien. Hein. Bientôt niveau 9, super. Alors, je tenais à remercier le nombre
nombre d'abonnés qui a augmenté considérablement. C'est vraiment, je passe de 18 abonnés à 32 abonnés. C'est vraiment énorme. Bientôt 3900 vues, je crois. C'est magnifique. Il monte au niveau 9. Ah, t'as besoin de plus d'entraînement, ouais, ça se voit. Donc là, y a rien, je crois. Ouais, y a rien du tout ici. Bon, là, y a rien du tout. Là non plus. Bon, là, sur Pokémon, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Spectre Hollow trouve un jeu Pokémon. Alors, je vais vous expliquer. Les jeux Pokémon, en fait, c'est... Tu trouves des jeux Pokémon dans Pokémon version jeune, et tu as 22 jeux à retrouver. En gros, c'est pas mal pour voir les anciennes versions de jeux Pokémon. Pokémon rouge, jaune, vert, jaune, or, argent, cristal, rubis, saphir, rouge, vert, feuille, émeraude, platine, diamant, perle, perle, burst, silver, noir, blanc. Après, je sais pas, après, ça peut être des jeux GBA comme Pokémon Pinball. Bref, le RER ne semble pas passer aujourd'hui. Énorme le RER, oh la vache. Fais gaffe à certains oiseaux, ce sont des Pokémon agressifs. Puisque tu es un dresseur, je te file un tuyau, ils n'aiment pas l'électricité. Ah ouais, c'est vrai. Savais-tu que Giovanni Agea était le champion de l'arène de cette ville? Non, c'est vrai. Bah oui, je sais, je suis pas un noob. Bonjour madame. Le temps est variable, la météo change sans cesse. Ah. Que je pêche une heure ou une journée entière, rien n'y fait, ça ne mord pas. Non, il n'y a pas de Pokémon dans l'eau, mais bon, c'est pas grave. Mon petit Sablero avait besoin de calme, c'est pourquoi je suis de passage à Jadiel. Super, je m'en fous de ta vie. Là, il n'y a rien. Mon petit fils est persuadé qu'un jour, il sera le maître Pokémon. Ah, d'accord, si tu veux. Donc là, on va aller à l'arène. Et non, il n'y a personne. Dommage. Remarque, avec un petit plus niveau 8, je crois, de toute façon. Niveau 9. Hein. Je sous-estime mon Pokémon. Alors, qu'est-ce que c'est info? Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous avez le temps, vous avez votre argent, vous avez le nombre, l'idée pour faire des échanges de Pokémon. Alors, le nombre de défaites, les Pokémon rencontrés, les tournois participés à l'avant-ville, les tournois remportés, l'heure du jeu et les points. Et les points, ils sont, comment dire, les points, vous en aurez beaucoup besoin. Donc si vous faites fuite, vous perdez des points. Quand vous capturez un Pokémon, vous gagnez des points. Donc il ne faut pas vraiment fuir, parce que sinon vous débloquerez pas vraiment des événements dans le jeu, y compris des secrets. Je vous expliquerai les secrets au fil de mon aventure du Let's Play. Allez, c'est parti. Un roucou, ouais, on s'en fout. Bonjour mademoiselle, je viens de trouver des Pokémon dans les eaux terres. Devrais-je les faire combattre? Ah oui, c'est le Béaba, il me semble. Pourquoi pas. La fillette Julie veut se battre. Un chenilpin au niveau 4. Oh, j'ai oublié de soigner mon Pokémon. Mince. Pas penser à ça. J'espère qu'il va pas mourir, sinon ça va faire un peu bête de mourir dans un let's play à l'épisode 2 quand même. Ah, un coup critique, ça va. Niveau 20, au niveau 28, qu'est-ce que je raconte? 28 points d'expo, explique au niveau 4, on s'en fout. Pourvu qu'il m'empoisonne pas, sinon je le tue. Oh, ça va, ça a pas été trop difficile. Un pire fabec. Niveau 3, oh la vache. Le combat est serré. Ah, il me rugit dessus. Oh là là, il va me tuer. Eh non, il va pas me tuer. Je gagne 400 euros, oh la vache. Non, je rigole, c'est Poké Dollar. Dans le jeu, c'est Poké Dollar. Je voulais vous montrer un truc qui m'a perturbé. On peut acheter le... pour sauvegarder à n'importe quand.
permet de sauvegarder n'importe quand à 4500 Poké-Dollars, donc ce qui est plutôt pas normal, même si t'es en mode difficulté difficile. Je vais soigner mon Pokémon parce que j'ai mal en point le pauvre. Bonjour, bienvenue au site Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon avec la nouvelle réglementation de soins. Le montant de votre facture s'élève à 50 Poké-Dollars. Vous disposez de 5110 Poké-Dollars. Voulez-vous les soigner? Un instant s'il vous plaît. Donc petite nouveauté, nous payons le soin de Pokémon pour soigner vos Pokémon. Vos Pokémon sont en pleine forme. À bientôt. Ouais, super. Parmaqueuse. Oh non, un Pokémon. Je fais un pas et un Pokémon. Super. Un Ferrosinge, il est trop mignon. Je vais le capturer. Ah non, j'ai pas de Pokéball. Mince. Ah, il me faut ce Pokémon. C'est trop fort utile là. T'es mort mon pote. Oh tata. On a toujours les mêmes Pokémon. Beaucoup d'aventures. Soit un Roku, soit un Rattata, soit un Ferrosinge, un Nidoran, femelle ou mâle. Ou t'as un Pokémon. Un Corneb je crois. Près de la ligue Pokémon Verjadel en partant de la gauche. Et d'autres Pokémon. Tu as croisé mon regard, ne te défile pas. Non, moi je me défile pas, moi. Moi je vois un dresseur, je le combat et je lui prends son argent. Un recul niveau 5. La vache, c'est dur. Oh, il me lance un jet de sable. Oh là là. Encore. Il a que ça à faire, quoi. Et il est fou. Ouais, il lance encore ça, il fait chier. Oh, c'est bon. Putain, sa technique de fourbe marche. Bon, t'as fini, là? C'est une blague. Ah non. Chenipan. Envoyé par le gamin Laurent. Ouais. Sécrétion, il augmente ma vitesse. Moi, j'attaque. Ouais. Coup critique. Aïe, ça fait mal! Bien fait pour toi! Fallait pas me provoquer. La forêt de Jade. C'est marqué quoi là? Bienvenue dans la forêt de Jade! Ok, on s'en fout. Rappelez-vous, dans les anciens épisodes de Pokémon de la saison 1, il y avait un samouraï avec un scarabout et un chrysacier. Il reste encore 20 contre-forts dans cette forêt, ce qui peuvent m'énerver. En gros, si vous tuez 20 contre-forts, il va vous donner une récompense. Ou tu te bats contre lui, je sais plus. A voir. Hey, salut toi. Mes Pokémon insectes ont la côte auprès des filles. C'est vrai. D'accord, donc je vais capturer des Pokémon insectes alors. Crisation niveau 6, oh là là. Ce qui m'énerve c'est Pokémon. Oh. Armure. Oh là là. Et vas-y. Mais fais-toi plaisir. Vas-y, t'as raison. Tu vois quand je vais te mettre KO. Je vais le tuer ou? Ouais, je vais le tuer. Quoi qu'on fait, un scout junior. Oh non, vous êtes sérieux avec vos armures de merde là. Oh non. T'as pas lutte ou je sais pas, lutte, charge? Non, tu peux pas, dommage. Est-ce que je vais le tuer? Oh, il a lutte. C'est bien, il se blesse donc ça m'aide. Vas-y, attaque-moi et perds des PV, mon pote. Vas-y, crève. Ouais. Hé,
Et voilà, niveau 11. Ils sont pas terribles ces stats. Il apprend tourniquet, c'est bien, il tourne, il fait un petit tournier. Shunipot. Niveau 5. On est crasseux. Et voilà. 200 poké dollars. Ah, je vais m'acheter plein de trucs avec ça. Juste voir combien on est de minutes. 15 minutes déjà. Oh, vache. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais finir la forêt déjà. Voilà, y'a rien. Sinon, salut toi. Je veux tester sur toi la puissance de mes Pokémon. Vas-y toi, fais-toi plaise. Scout Maxime de se battre. Oh non, vous êtes sérieux, mais les scouts ils ont que des crises à son. C'est comme Magikarp, sauf qu'il évolue. Mais sur un Magikarp il a que trempette. Jusqu'au niveau 20. Donc vraiment, c'est de la merde. Vas-y, confort. Par contre, il gagne pas mal d'XP. C'est pas mal pour XP tes Pokémon. Oh non, sérieux. Chenipan. Et là, ils ont que ça. Chenipan, Crisasie, Papillon, Aspico, confort, Dardenne. Elle m'empoisonne pas, sinon je te tue. Ah, t'es quand même mort. Et une défaite de plus. Ah, tu les collectionnes. Bon. Alors ici, on peut trouver des bons Pokémon. On peut trouver un Bulbizarre dans la forêt Jat, ce qui est plutôt pas mal pour avoir un Florizarre. Bonjour, bienvenue au sein de Pokémon, nous pouvons soigner vos Pokémon. Encore 50 Pokédollars, mais je fais que de payer ici. Putain, c'est de l'arnaque, sérieux. Et allez, on y va. Allez, c'est parti. Un Shenpan. J'ai gardé mes Pokémon de super bonbons, ils sont monstrueux niveau puissance. Aïe. Ah bah quand même, un Papillusion niveau 7. Normalement, pour faire évoluer Crisacier en Papillusion, il évolue au niveau 10. Hein. Là, il est niveau 7. C'est un cheat. C'est un cheater. Oula, doucement. Attendez, je me concentre là, sinon je vais mourir. Ah, c'est bon, c'est parti. Niveau 12. Dardarnion. Je vais peut-être me soigner. Une fois, deux fois. Écrase-face. Eh bien, qui se fait plaisir, hein. Et voilà, enfin, t'es mort. Niveau 13. Déjà. Passe vite. Hein. Et elle est longue, la forêt de Jade. Voilà, on ira après. J'irai dans le prochain épisode, l'épisode 3. J'en posterai un par semaine. Voire deux si j'ai le temps. Hey, salut toi! Mon air bizarre est très mal en point. Il a été mis KO par un dresseur qui possède un débugant. Oh, Romuald! C'est mon seul Pokémon. Je ne peux quitter la forêt sans sa protection car la forêt de Jade fourmille de Pokémon sauvages. Je serais incapable de me défendre sans lui. Pourrais-tu m'aider?
faut que j'aille à Javel soigner mon air bizarre. Je me sentirais plus en sécurité si on m'y accompagne. Est-ce que tu voudrais bien y aller avec moi? Oh, merci beaucoup. Attends, j'ai même pas demandé. Allons, sorte Pokémon de Javel. Elise se joint à votre équipe. Non mais attends, elle me demande même pas mon avis. Écoutez, on va aller à Javel et je crois que je vais arrêter la vidéo. Et je, dans le prochain épisode, je capturerai 6 Pokémon quand même. 5 Pokémon parce que là... Voilà, nous sommes à Javel. Je ne sais comment te remercier. Je ne possède pas grand chose. Ah, je sais, je vais t'accompagner dans ton voyage jusqu'à Argenta. Ça serait ma récompense. Tu pouvais pas me donner d'argent plutôt. Je te retrouverai ici quand mon air bizarre aura de nouveau la pêche. Merci à toi, sincèrement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est moi le prochain! Je déteste ces téléphones, ils sont trop compliqués! Mais enfin, qu'est-ce que je disais? Ah oui, on te trouve, tu en ce moment, tu devrais déjà être à Argenta, non? Ouais, mais y a l'autre là, elle me fait chier. Pas encore, tu dis, j'ai perdu alors! Quoi, vous avez fait un pari ou quoi? Ce n'est rien, je viens juste de perdre un pari avec mon assistant. Bon, eh bien, si tu veux passer à mon labo, j'ai une commission à te faire faire. Quoi? Mais non, je me sers pas de toi. Ouais, à peine. Merci d'accepter si gentiment ma demande. Passe me voir le plus tôt possible. Bon, 3 points. Et des... Bon, on va arrêter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, mes youtubeurs préférés. Enfin, mes abonnés, ce que je veux dire. Et merci à tous. Ciao!